Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui les terres du roi sont en feu à 100, c'est la guerre comme jamais. Un patch étonnant avec énormément de nouveautés. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, pas d'excuses non plus, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, il vous suffit de cliquer dessus, vous arrivez, vous aurez toutes les infos, tous les screens pour être au calme sur la plage et avoir toutes les news et ne rien rater durant cette petite période estivale. Les amis, commençons tout de suite avant d'aller voir les terres du roi qui s'enflamment, une guerre de dingue sur le KVK du 1960 face au 1307. On va parler patch puisque on a un gros patch log qui est tombé. Alors il est tombé le 30 juillet à 6h42 heure française. Le jeu sera mis à jour. Alors j'ai remarqué un petit truc qui a strictement rien à voir, mais regardez, à chaque fois Kevin fait, enfin très souvent, cette petite connerie. Regardez, salutations gouverneur, et il y a un espace en trop avant le mec qui doit s'endormir sur la barre d'espace. C'est pour ça il y a un petit décalage. Le jeu sera mis à jour vers la version 1.0.60. Et pour ceux qui se le demandent, hein, celui qui a racheté le compte de Goodfather, il est toujours pas ban, hein, il a lâché ses 45 000 $, vidéo d'hier si vous l'avez raté, et il est toujours in-game au calme, alors que tout le monde sait qu'il a vendu. On m'a demandé, mais comment Lilith peut savoir qu'il a acheté un compte et le bannir? Bah, c'est très simple, hein, IP de localisation, on sait dans quel pays il se log. S'il a été vendu à quelqu'un qui n'est pas du même pays, forcément. Et pour ceux qui ont déjà eu un compte bloqué et qu'on cherche à le débloquer, il vous pose pas mal de questions perso pour voir que c'est vraiment votre compte. Et si vous n'avez pas y répondre et pas vous restez bloqué, et ben là il leur suffit de faire pareil. Bref, revenons-en à cette mise à jour 1.0.60, le cœur des marées qui sera passé le 08.09.2022. Avant la mise à jour, vous pouvez télécharger les données à l'avance via les événements pour obtenir la récompense. Alors là, je pense qu'il y a une inversion, hein, parce que ça serait bien la première fois que Lilith nous annonce une maintenance avec quoi? Avec plus d'un mois d'avance. Alors je pense que c'est soit le 8 août, soit le 9 août. On va peut-être avoir un mail qui tomberait aujourd'hui en correctif qui corrige cette connerie, ou peut-être demain, mais à mon avis, c'est plutôt le 8 août. Et encore une fois, Kevin était bien éclaté quand il a fait ce mail, une grosse soirée à mon avis. Ça serait logique que ce soit le 8 ou le 9 août, puisque c'est un lundi ou un mardi. Donc en général, les dernières maintenances, on en a eu des lundis et des jeudis. Donc probablement le 8 août, le 08-08-2022. Pour nous rattraper, nous vous enverrons une récompense une fois la mise à jour terminée. Comme d'hab, des gemmes, 100 gemmes par heure de dawn, plus une clé en or, etc. Un série d'événements île des merveilles. Voguez sous les rayons du soleil le jour et sous la lueur des étoiles la nuit. Le temps est au beau fixe, embarquons pour notre prochaine aventure, blablabla. Brise des vagues, 7 jours de quête pour de belles récompenses. Est-ce qu'ils vont nous remettre un petit event, hein, de bataille navale? Donc, brise des vagues, 7 jours de quête, hissez la grande voile, collectez des points pour gagner des récompenses pour votre alliance et vous, ok. Nuit de la traversée, collectez des coffres de matériel nautique pour vos passagers. Île au trésor, échangez contre divers prix, dont un thème de ville. Regardez ça, hein. Île au trésor, échangez contre divers prix. On a eu la file d'attente à 7000 gemmes. On a eu Esmeralda l'éclater récemment. Là, c'était il y a deux events. Hein. Donc forcément, là, s'ils suivent le rythme, île au trésor, ça va être le store où on peut acheter 30 sculptures, impossible d'avoir les 30 sculptures en or générique sans acheter, sans lâcher de l'euro. Donc ne croyez pas que vous pourrez aller chercher, vous allez pouvoir en avoir 3, 4 maximum de mémoire si vous faites à fond les émotes. Mais pour le reste, il faudra acheter du bundle. Évidemment, on ira voir ce que vaut ce bundle. En général, il est plutôt intéressant, surtout avec le combo qui nous donne des récompenses supplémentaires pour les 2500 gemmes achetées tous les jours pendant 5 jours. Bref, on verra tout ça quand ça va avoir pop. Point 5, protéger les ressources. Bon, un event classique qu'on connaît. Point 6, choc des tempêtes. Menez votre navire au combat pour régner sur les 7 mers. Et voilà, ils nous remettent les batailles navales.
C'était sympa plutôt les batailles navales. J'espère qu'on aura, comme pour l'Olympe, hein, des sculptures en or à gagner. Ça serait très très cool, mais très généreux de la part de Lilith et ils nous ont pas habitués à ça. Point 2, amélioration de la saison de conquête. Hein, et c'est là qu'on a des choses intéressantes, notamment qui vont arriver. Point 1, amélioration des technos de cristal. Augmentation dans toutes les histoires de saison de conquête du nombre de cristaux obtenus en battant Kahar le furtif. C'est bien. Petit astérix, le changement sera effectif immédiatement une fois la mise à jour effectuée. Sous-entendu, tous ceux qui savent qu'ils vont avoir un KVK autour du 8 août, hein, ou qui y sont, ne claquez pas tous vos PA, ne faites pas tout de suite vos events, hein, dans Kahar le furtif, parce que vous allez avoir une perte de cristaux sinon. La description de la techno pillage de saison de conquête est désormais augmente les cristaux obtenus en éliminant les patrouilles, en détruisant les forts barbares. Ok, ancienne description, augmente les cristaux obtenus en éliminant Kahar le furtif. Maintenant c'est patrouille et fort barbare, c'est pas mal du tout. La techno cristal premier soin a été retirée, on le savait. Nouvelle techno cristal, don de Karaku. Ouh, j'ai eu du mal à le dire. Don de Karaku augmente la vitesse d'acquisition des cristaux. Pendant l'événement épreuve de Kao Karuak, c'est cool. Frappe surprise augmente les dégâts infligés par les troupes aux garnisons ennemies armées ralliées situées sur la carte pendant le royaume perdu. Ça va faire très très mal. Ça, durant notamment les rallyes. L'ordre de déblocage des technos de cristal a été affiné. Là, sous-entendez, vu les cadeaux qu'ils viennent de faire avant, ça veut dire on vient de vous mettre une carotte et on a changé l'ordre, ça va être plus dur pour vous, sauf si vous êtes un payeur, hein, une baleine, un pay to win dans le jeu. Sinon, vous allez prendre une petite cartouche, ça j'en suis quasi sûr, on va vite le voir. Les changements ci-dessus, à l'exception du premier, seront appliqués aux histoires de saison de conquête inscrites après le minuit TC le 25 juillet. Donc, tout simplement, j'ai raison, c'est pas le 8 septembre, hein, le patch, hein, c'est probablement le 8 ou le 9 août s'ils ont inversé à l'américaine, hein, le mois et l'année. Point 2, hymne héroïque, puissance sup. Nous avons ajouté un système de tactique de combat vous permettant de choisir entre 5 tactiques différentes. Des choses qu'on pouvait faire plus ou moins à la main. Mêlée, à distance, guérilla, rassemblement et garnison, vous ne pouvez choisir qu'une seule tactique à la fois et la tactique ne peut plus être changée une fois que la troupe a quitté la ville. Les différentes tactiques de combat confèrent des bonus différents. Nouveau mode, alors on verra ça par la suite ce que c'est, hein, mais c'est sûrement les mêlées, à distance, les guérillas, rassemblement. Ça doit être propre aussi au fait qu'on bloque le passage des troupes, ce genre de choses, hein, qu'ils ont ajouté. Le fait que quand on rencontre une troupe, ça c'est guérilla, toute troupe qu'on rencontre quand on est bloqué, eh bien on l'attaque immédiatement et on subit plus en dégâts de contre-attaque. On va voir ça finement quand ça va être sorti. Nouveau mode de rassemblement, rassemblement agressif. Ah non, ils l'ont mis là-dedans. Les troupes partant en rassemblement agressif, attaquent automatiquement les troupes ennemies qui bloquent leur trajet. Leur mode de blocage par défaut est automatiquement le mode agressif. Alors pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, avant, quand vous lanciez un rallye, quand ils ont rajouté le nouveau KVK, une héroïque puissance sup, si vous lanciez un rallye et que sur le chemin, une troupe vous bloquait le passage, eh bien le rallye se faisait tout simplement, et que la troupe était en mode aggro, le rallye se faisait tout simplement tabasser sans attaquer la troupe qui est sur son passage. Il se faisait laté et il lui mettait que des dégâts de contre-attaque, ce qui était complètement stupide, et le rallye se faisait souvent décimer. Là, pour le coup, avec le mode agressif, quand il va être bloqué par une troupe standard, eh bien, il va l'éclater avant de continuer son chemin. C'est quand même beaucoup mieux. Ça évitera les petits malins qui défonçaient les rallyes avant qu'ils arrivent. Point 3, amélioration de l'événement épreuve de Karo, K.O. Karuak. Ah, c'est toujours dur à dire ces noms en carton là. Nous avons ajouté une limite au nombre maximum d'attaques possibles contre les cibles des épreuves à chaque niveau. Chaque fois que vous envoyez une nouvelle troupe attaquer la cible, une attaque est dépensée. Quand vous avez utilisé toutes vos attaques, vous ne pouvez plus envoyer de troupes attaquer la cible. Forcément, quand on attaquait sur Kao Karak, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, quand vous atteignez les derniers niveaux, vous envoyez 5, 6, 7 troupes parce que vous pouviez avoir débloqué la 6e et la 7e file grâce au techno. Et quand votre troupe mourait, et ben vous la remettiez à la boucle, hein, tout simplement, en boucle. Et ça vous permettait à coup sûr d'éclater le mob. Et bien là, avec cette limitation, vous ne pourrez pas éclater tous les niveaux de Kao Karaku si vous n'avez pas des bons commandants légendaires bien stuffés. Fallait pas rêver, hein, ils nous ont fait pas mal de cadeaux sur cristaux. De l'autre côté, ils diminuent à qui
sert ce qu'ils ont rajouté et cette augmentation de puissance hein, de Karu Hack en limitant le nombre d'essais, eh bien ça sert au pay to win, aux meilleurs joueurs, ceux qui ont les meilleurs stuff, parce que eux ne seront pas limités. Alors que nous, simples mortels, si nous n'avons pas du stuff au max, on va plus réussir à faire les derniers niveaux, ceux qui rapportent le plus de cristaux notamment. C'est pour ça qu'ils nous en donnent plus avant pour limiter. Je pense que l'un dans l'autre, hein, la grande majorité des joueurs hein, qui sont des free players ou des tout petits low spenders vont se faire carotte et ils auront moins de cristaux au final. Ces modifications, blablabla, après le 25 juillet, pareil. Nouveau coffre légendaire, un nouvel ajout. Nous fermons l'événement taverne légendaire sans conséquence sur les événements taverne légendaire actuellement en cours. La taverne légendaire, c'est l'event qui pop pendant le KVK où vous pouvez ouvrir des coffres et avoir des nouveaux commandants, les derniers commandants légendaires qui sont pas mal du tout. Ils ont ajouté un coffre légendaire à la taverne, on aura 4 coffres à la taverne. Ouvrez le coffre avec des clés de souverain ou directement avec des gemmes pour recruter des commandants plus puissants. Donc pour ceux qui espéraient qu'ils ajoutent au coffre en or traditionnel les derniers commandants, eh bien c'est fini, le rêve est terminé, vous pouvez ouvrir vos coffres en or puisque Lilith rajoute directement le coffre à la taverne légendaire, ce qui vous obligera à dépenser deux fois plus si vous voulez les derniers commandants en ouverture avec des clés. Des coffres légendaires seront ajoutés à la taverne à partir du 7e jour suivant la première entrée en saison de conquête d'un royaume. Une petite carotte, elle était sympa celle-là. Point 5, autre amélioration. Nous avons ajouté l'option cible sélectionnée en surbrillance dans les réglages. Là, c'est très bien, c'est ce dont on parlait pour les trames transparentes et pour qu'on arrive dans la masse à sélectionner. Vous allez le voir sur le KVK du 1960, ça leur sera utile. Activez là pour que les autres troupes deviennent transparentes. Quand vous sélectionnez une unité, la transparence de l'avatar des troupes ne change pas quand vous sélectionnez vos propres unités. Point 2, ajouter de nouveaux succès, ajoute de nouveaux succès de champions impliquant de l'équipement des commandants. Bref, 12 succès sont liés à l'équipement. Point 3, nous avons amélioré le système de code de vérification. Alors, quand ils disent améliorer, hein, on l'a rendu plus relou, surtout, hein. Pour les vrais joueurs, les bots vont toujours réussir à s'en passer. Nous avons décidé de limiter l'accès des gouverneurs aux informations des autres gouverneurs. Bah oui, hein, comme ça, on va pouvoir mieux mytho pour migrer, dire qu'on est une superstar, alors qu'en fait, on a des stats en carton. En effet, les informations risquaient d'être utilisées à des fins malveillantes. Je vois pas en quoi ça peut être malveillant d'avoir le détail d'un compte hein, sur le nombre de kills, etc. On va voir comment ils vont le limiter. Point 5, nous avons ajouté un nouveau mode sous forme de liste pour l'offre spéciale journalière. On va bien voir ce que ça donne ça. Point 6, nous avons optimisé la qualité de certains cadres d'avatar, ça sert à rien. Point 7, hein, c'est les cours d'art plastique de Kevin, ça, le point 6. Point 7, la saison 6 de la Ligue Osiris arrive bientôt. Ne la manquez pas, ça va être de la balle. D'ailleurs, en parlant de ce qui va être de la balle et ce qui est moins, regardez, on a eu le pop de la roue de la chance aujourd'hui. Et regardez, c'est quoi ces commandants en carton? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Honda, Trajan, YSS, Charlemagne. Mais pourquoi on n'a pas les derniers commandants là dans cette nouvelle liste? Franchement, je ne comprends pas. Alors là, sur cette liste-là, si vous avez même que moi, évidemment, je vous conseille de prendre Trajan. Hein. C'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est ce que je fais moi. Je fais mon tour gratuit, 2 jours, 15 heures, 18 minutes. 40 secondes, et il voulait pas le lâcher son 40. J'ai une sculpture pour gratuit, faites votre tour gratuit, faites votre tour à 50%. Donne-moi 8 sculptures, et du moment qu'il me donne pas d'étoiles, hein, moi même la pierre ça me va, c'est toujours mieux que les étoiles. On va donc aller voir ce KVK de ouf, celui du 1960. Vous allez le voir, on a quand même du très très lourd. 1960 face à 1307, évidemment, les pronos ont donné le 1960 gagnant, mais au tout début du KVK, les pronos donnaient le 1307 gagnant. 1307, royaume énorme, l'un des plus peuplés du jeu, l'un des plus gros impériums, il fait partie du top 5 impériums. Je vous le rappelle, 1960, 1302, deux impériums sont ensemble, 1307, 1008 sont ensemble avec les autres royaumes non impériums bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe en Terre du Roi? Elle a ouvert hier, il y a moins de 24 heures. Et regardez, trop de spectateurs actuellement, réessayez plus tard, je vous en parlais justement. C'est étonnant, hein, il est tôt le matin, tôt. On est le matin, il y a quand même trop de spectateurs sur ce KVK. C'est assez hallucinant. On va réessayer, voir si on peut aller le voir. Je pensais pas qu'à cette heure-là, j'avais été tout à l'heure dessus. Hein. Je pensais pas qu'à cette heure-là, on serait blindé. Ce qui veut dire que ça ne lâche rien.
Et il y a énormément. Et voyez, on peut même pas aller suivre ce KvK. C'est assez dingue. Heureusement, on a des screens parce que sinon, on pourrait pas aller voir. Hein. Il y a certains streamers qui arrivent à faire des lives à des moments, d'autres qui n'arrivent pas. Vous le voyez, il y a quand même blindage de monde sur ce screen. C'est ultra blindé. Le 1960 ne lâche rien. Ils sont là. Franchement, c'est assez impressionnant comment les mecs font tout. Et on a l'impression que les mecs ne dorment jamais. Vous le voyez, cette masse, le serveur, je comprends même pas comment il crache pas. Faut savoir que stratégiquement, la technique du 1960 est très bien rodée. Puisque d'un côté, le 1960 attaque en terre du roi avec leurs comptes principaux, hein, avec les 60 GT, hein, et ils ont tous des comptes de farm, ils jouent tous, hein, plusieurs comptes en même temps, bien évidemment, ils ont tous des comptes de farm, et sur les autres flancs, avec leurs comptes de farm, ils sont dans les 60 MX, en fait, les 960, les 60 GT et les 60 MX, hein, c'est quasiment que les mêmes joueurs, et les mecs avec leurs comptes de farm, donc ils sont tous tout bonnement en train de repousser dans les 60 MX sur l'alliance des 60 MX, hein, les autres fronts. Voilà pour les screens, très impressionnant. On ne peut pas suivre à tous les moments, malheureusement, hein, ce KvK. J'essaierai de vous le remontrer dans la semaine, quand il y aura moins de spectateurs. On pourra avoir du live, enfin du live, on pourra avoir une situation à jour, autre que tous les screens qu'on récupère à gauche et à droite. D'ailleurs, sur le Discord, hein, ça partage beaucoup de screens. Mais là, vous le voyez, hein, essayez après avoir vu la vidéo. Mais je pense qu'il sera 18h passé, il y aura encore plus de monde. Il faut que Lilith, hein, fasse quelque chose pour cette limitation. Les amis, on finit comme d'habitude, hein, avec une petite ouverture de coffre. Hein, je vous l'ai dit, ouvrez vos coffres en or, ça sert à rien. Les coffres en argent, vous pouvez continuer de stacker. Moi, je stack tant que j'ai pas besoin de les ouvrir. Je continue dessus. Au niveau des coffres en or, vous pouvez les ouvrir. Les coffres en cristaux aussi. Certains vont vous dire, attendez le patch pour ouvrir vos coffres. Hein, moi, je vous dis, vous pouvez y aller maintenant. On commence avec les coffres en cristaux. 16 clés de cristal. Comme vous le savez, 16 clés de cristal, il faut avoir au minimum un épique. Mais un épique, c'est pour 50 clés normalement. Eh bien, j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu quand même un petit parchemin épique. Alors, il faut savoir que beaucoup d'entre vous m'écrivent et me disent, les clés en cristal, faut les ouvrir une par une et non tout en même temps comme je le fais. On a plus de drop rate sur les piques et sur le légendaire quand on les ouvre une par une. Je crois pas à cette théorie, hein. Pareil pour les coffres en or. Là, on me le dit moins, mais certains d'entre vous insistent. 18 clés en or. Je pense qu'il faut quand même ouvrir des petites quantités. En général, quand j'ouvre moins de 30, j'ai des ratios plus élevés. 18 clés en or, je peux avoir 0 sculpture. Hein, ça m'est déjà arrivé. 18 clés en or, si j'ai au moins 18 sculptures, 18 sculptures, c'est de la balle. Si j'ai plus de farm, c'est tout naze. Si j'ai le moins de farm possible, c'est pas mal. Et moins de 10 clés, c'est un tirage éclaté. 18 clés, combien de... Ben voilà, vous voyez, j'en ai 15. Mais dans les 15, donc c'est un tirage qui pourrait être pas mal. Dans les 15, j'ai 10 Ishida. Qui ne sert à rien, qui n'est carrément plus utilisé à part pour farmer, qui n'a jamais été vraiment utilisé de toute façon. Donc, commandant en mousse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. On n'aura malheureusement pas pu aller voir le 960. Hein. J'ai été très difficile. Et ça, même avec mon accès, parce que j'ai un accès prioritaire, hein, pour les matchs, même avec mon accès prioritaire, on ne peut pas aller les voir pour le moment. Faut dire, ça doit être une grosseur de pointe sur le Royaume Asiatique. On est au milieu de la nuit, remarque. Ils sont vers 1h du mat, donc c'est normal. Ils sont à fond dessus. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.